Ta'ala wa barakatuhu. Chers parents, chers enfants, chers amis, c'est un plaisir renouvelé pour moi de partager avec vous cette chronique qui est destinée aux familles, aux jeunes, aux adolescents sur des sujets de société, des sujets qui nous touchent au quotidien et d'aborder avec vous avec simplicité, j'espère, certains conseils, certaines pratiques. Nous avons vu lors de notre dernière chronique d'où peut venir le problème de confiance en soi et nous avons dit qu'en réalité, si nous regardons comment le bébé se développe, comment le bébé agit, et nous, on compare ça avec la manière dont un adulte peut agir, on voit qu'en réalité, le problème de confiance en soi vient d'un accident de parcours. Généralement, ça part de la relation familiale, mais c'est un problème de parcours, ça peut venir d'un problème dans la relation conjugale où on est un peu subjugué par une des deux parties. Donc tout ça, c'est un peu des causes très variables. Et on a vu également que ça a des répercussions partout dans la vie de l'individu, dans sa vie conjugale, dans sa vie professionnelle, dans son attitude générale par rapport au monde. Ça fait une différence entre quelqu'un qui est attentiste, qui attend tout du monde, par rapport à quelqu'un qui n'attend rien et qui va pour transformer le monde, puisque le monde se laisse transformer. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous des solutions très très simple pour que nous puissions aider nos enfants ou nous aider nous-mêmes à sortir de ce cycle infernal de manque de confiance. Tout d'abord, il faut distinguer trois niveaux de confiance. Il y a la confiance en soi en tant que telle, la confiance en autrui et la confiance en l'avenir. Donc ça, c'est trois niveaux importants qu'il faut distinguer et c'est dans la confiance en l'avenir que les projets peuvent prendre forme. C'est-à-dire qu'on se projette, quand on se projette dans l'avenir. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut distinguer ces étapes-là, la confiance en soi, la confiance en autrui et la confiance en l'avenir. Dans la confiance en soi, il est très important de distinguer ce qu'on appelle le présent. C'est-à-dire maintenant, il y a le passé, il y a le futur, mais ce qu'il y a entre nos mains, c'est bien le présent, c'est-à-dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes de ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 10 ans. C'est vrai, et il ne faut pas nier ce qu'ils ont vécu. Ouais. Mais malgré tout, s'ils restent prisonniers de leur passé, ils vont subir leur présent. Et il y a de fortes chances que leur avenir ressemble à la même chose que ce qu'ils ont vécu. Et ils n'auront pas eu la chance de transformer et d'être acteurs de leur propre vie. Donc, c'est très important de reconnaître ce que l'on a vécu dans le passé, mais il est surtout très important de ne pas être prisonnier de son passé, y compris si c'est un passé magnifique, si c'est un passé glorieux, il faut quand même faire, on a toujours la possibilité dans le présent de faire plus fort que ce que nous avons fait dans le passé. Quand je regarde parfois dans la communauté musulmane, on se rappelle le temps des grandes découvertes dans l'islam, qu'on pourrait être un peu nostalgique, ouais, alors que c'est maintenant qu'il faut agir. Ouais. Aux générations passées, ce qu'elles elles ont accompli, à notre génération, ce que nous devons accomplir maintenant. Et agir dans le présent, c'est un facteur de transformation de notre personnalité et de notre attitude. Ouais. Et la confiance en soi, qui est l'étage de base du projet, elle dépend exclusivement de nos actions. C'est-à-dire que quel que soit ce que l'on peut me dire à droite ou à gauche, ce que moi je fais, du verbe agir, ce que moi je fais, ça transforme mon environnement, ça transforme ma propre vie et c'est ça qui fait que j'ai confiance en moi, je suis confiant dans ma capacité ou je ne suis pas confiant dans ma capacité. Donc c'est mon action qui a un effet réflexif, qui a un effet retour sur moi et qui fait que mon niveau de confiance en moi va se développer ou au contraire, mon niveau de confiance en moi va se réduire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'influence de l'environnement sur moi, mais ça veut dire que l'influence de l'environnement sera limitée par le développement de mes propres actions et de leur effet réflexif, de leur effet retour sur moi-même. Donc ça, c'est très, très important. Donc imaginons maintenant que j'agisse
Donc, au lieu de rêver un peu les projets, je me mets à les faire. Ça, c'est très important. Parce que dans la tête, tout est beau, mais c'est dans la réalité qu'il faut agir. Donc, quand je me mets à agir, je transforme le futur en agissant dans le présent. Et en même temps que j'ai fait ça, je développe de manière absolument concrète ce que l'on appelle la confiance en soi. Et quand la base, donc la confiance en soi, est bien posée, je peux maintenant faire confiance en autrui. Si je ne fais pas ça, je tombe dans une maladie. Parce que faire confiance aux gens alors que je n'ai pas confiance en moi-même, c'est un transfert de confiance vers les autres. Et c'est ma maladie qui va de plus en plus s'aggraver. Et je vais donner trop aux autres alors qu'ils ne l'ont pas demandé et qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de gérer cet excès de confiance que je suis en train de leur faire. Parce que si je n'ai pas confiance en moi, c'est tout ce que je devais avoir comme confiance en moi que je vais projeter chez l'autre. Et à la limite, ça peut même être de la dépendance émotionnelle d'une certaine façon et on empoisonne la relation à autrui. Donc, il faut stabiliser une base de confiance en soi et avoir une vraie assise dans le monde. Ensuite, je peux faire confiance en autrui pour deux raisons. L'une, c'est que je sais qu'il y a du bien chez toute personne. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que en ayant une confiance en moi, même le mal qui peut venir des autres ne peut pas me détruire parce que par la grâce de Dieu, j'ai une base de confiance en moi absolument forte. Ce n'est pas l'autre qui peut me détruire, c'est ce qui vient de moi qui peut me détruire moi-même. Donc ça, c'est très important d'arriver à ce niveau. Donc quand on en est là, on a les moyens de faire confiance en autrui parce qu'il y a du bien chez l'autre et que le mal qui peut venir de l'autre ne peut pas détruire la force, le bien que j'ai déjà stabilisé en moi. Ensuite vient, si vous combinez la confiance en soi avec la confiance en autrui, vous avez les moyens de vous projeter pour transformer le monde. Parce qu'on ne transforme pas le monde tout seul. Voilà pourquoi dans notre religion, comme vous le savez, la communauté, elle est importante. On transforme le monde ensemble pour que ces transformations, elles viennent des inspirations et des aspirations de tout le monde et que du coup, ces transformations bénéficient également en retour à tout le monde, en tant que tout le monde a cotisé à cette transformation-là. Vous voyez? Et par-dessus maintenant cette confiance en l'avenir, on peut mettre un projet ensemble, un projet individuel, un projet collectif, un projet familial, un projet de société. Je vais donner un exemple très concret pour que vous voyez de quoi je parle. Imaginons que nos enfants ou notre enfant ne veuille pas aller à l'école. Vous savez, et c'est une grande problématique chez les parents. On a des enfants parfois qui ne réussissent pas à l'école et qui ne parviennent pas à se projeter à l'école, à voir l'importance même de l'école. Ils savent que l'école c'est important, mais du point de vue pratique dans la réalité quotidienne, ils agissent comme si pour eux l'école n'est pas vraiment très importante. Et nous, en tant que parents, on a du mal à les aider à voir l'importance de l'école et à se comporter correctement à l'école, à apprendre leurs leçons, à travailler leurs devoirs, à préparer leurs devoirs et leurs examens. Et à avoir de bonnes notes, évidemment, parce que également l'école, c'est aussi les bonnes notes, avoir les bonnes notes à l'école. Et on se met là parfois à projeter du mal sur l'enfant et à lui dire, écoute, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir ta vie, tu vas échouer ta vie. Et on lui dessine un futur qui est extraordinairement macabre. Vous voyez, et là, on lui fait un mauvais tableau pour son futur. Alors qu'en réalité, c'est sur le présent qu'il faut agir. C'est vrai, il y a toutes les chaînes parfois de privation. On peut le priver sur beaucoup de choses, mais vous voyez, toutes ces privations à un moment, ça ne marche pas. C'est très important de définir avec votre enfant, dans les discussions, et il faut avoir ces discussions-là petit à petit avec les enfants, dessiner avec l'enfant un projet de vie. C'est que le projet de vie, ce n'est pas l'école. L'école, ça aide à monter le projet de vie avec votre enfant. Mais si on fait comme si l'école c'est le projet de vie, personne n'a envie de rester toute sa vie à l'école. Donc il faut que les parents parviennent avec l'enfant à dessiner le grand projet de vie qui peut intéresser l'enfant, qui est le projet de l'enfant, et que nous en tant que parents, nous sommes là pour l'accompagner à réaliser ce projet de vie. Et que l'école, vous voyez, est une partie, c'est une porte, c'est vrai, par laquelle on passe
dans ce projet de vie. En faisant attention de ne pas faire comme si l'école c'est la seule porte. L'école n'est pas la seule porte. C'est ça la réalité. La vie, elle est très très grande. Mais l'école est une importante porte par laquelle il faut passer pour aller dans un projet de vie beaucoup plus important qui peut attirer. Il faut que le projet soit attractif pour les enfants. Et c'est seulement là qu'ils peuvent être d'accord pour que nous puissions les accompagner vers quelque chose qui est plus beau, vers quelque chose qui est plus attractif et vers quelque chose qui est plus vivant pour les enfants. Donc j'appelle les parents que nous sommes à rendre beau, à rendre attractif le projet que nous voulons dessiner avec nos enfants, à appeler nos enfants autour d'un projet que nous pouvons dessiner ensemble. Autrement, ce sera difficile de développer la confiance en soi. Il n'y a pas de confiance en soi qu'on peut développer s'il n'y a pas un projet vers lequel on se projette avec cette confiance-là. Donc, j'espère que ces quelques conseils auront été utiles. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.